Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un retour de course. Vous avez l'habitude que je vous fasse des retours de course chez Leclerc. Et cette fois-ci, j'étais au Lidl. J'étais au Lidl de Saint-Lô. Vous allez entendre Ruby. Elle arrive. Bref, si vous ne savez pas qui est Ruby, c'est notre petit chaton Maine Coon qu'on a adopté il n'y a pas très longtemps. Viens ma fille. Bref, on va la laisser... s'extérioriser. Bon, alors j'ai repris des bananes comme d'hab. J'ai pris des endives pour faire une salade d'endives. J'ai repris également des champignons. Viens. Et j'ai repris deux petits paquets de tomates cerises. Voilà pour ce qui est des fruits et légumes. Vous savez que je vais très très souvent au marché ou au primeur ou à grands frais pour tout ce qui est légumes. Là j'ai vraiment pris ça parce que sinon il me reste du melon, de l'avocat, etc. dans le réfrigérateur, donc j'allais pas racheter pour racheter. Ensuite, niveau frais, j'ai racheté des petits palets comme ceci de chèvre. J'ai repris également des yaourts aux fruits 0%. Du fromage blanc aussi 0%. J'ai pris ce qu'on a du monde à manger ce soir. J'ai pris des calamars à la romaine pour l'apéro. Vous faites cuire ça au four. Et à côté, vous faites une petite sauce crème avec du concentré de tomate, sel, poivre. Et c'est super bon pour l'apéro. Ensuite... Au lieu des lardons, j'ai repris des petits dés de poulet pour faire par exemple des pâtes carbo ou quoi. J'ai repris pas mal de blanc de poulet. J'en ai pris pas mal. Mais ça, je vous en aurais parlé lors de la vidéo poids. Je ne sais pas si elle sort avant ou après le retour de course. J'ai repris également des petits quarts de jambon sec. Nous, on aime beaucoup ça. Pareil à l'apéro, c'est très bien. J'ai repris de la crème light fluide, 12% de matière grasse. Ensuite, j'ai repris un tube de maillot parce que nous n'en avons plus. J'ai repris une pâte feuilletée. Ensuite, un emmental comme ça, président. Du beurre gastro doux. Pour tout ce qui est cuisine, dessert, etc. Je me suis pris des crevettes comme ceci, à poêler, recette ail et fines herbes. Je vais goûter, on verra bien. J'ai pris également des filets de poulet. Viens ma fifi. J'ai pris une flamencuche pour un soir avec une salade, c'est plutôt bien. J'ai pris un ribs original. J'ai pris deux filets de lieu noir, il y en a deux, hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y en a deux. J'ai repris, pareil, un filet de saumon qui vient d'où celui-ci, Norvège, il me semble. Nourri sans OGM, agriculture responsable, élevé en Norvège avec peau et sans arêtes. Et pour finir dans le frais, hop là. J'ai repris trois escalopes de dinde et de la viande de grison pour faire la recette qu'on fait habituellement. Chez Marie Blacher, j'ai repris un pain aux noix. J'ai repris du pain de mie, mais vous savez, aux céréales, aux 7 céréales. Moi, j'aime beaucoup celui de chez Harris comme ça, mais là, celui-ci, ça fera large l'affaire. J'ai pris un cake aux fruits pour Matt. Moi, je déteste ça. J'ai repris des petites cacahuètes crispy barbecue pour les apéros. Ça me lève le nez. J'ai repris 2 kg de farine. Hop. Tout va tomber. J'ai repris une sauce tomate arrabbiata. Vous savez, l'arrabbiata, c'est la sauce tomate qui est épicée et moi je l'adore. J'ai repris du sucre vanillé. J'ai repris des cacahuètes grillées mais sans sel. J'ai repris
1 kg de sucre poudre. De la gelée de groseille, parce que moi j'adore cette gelée-là. J'ai pris 2 tablettes de chocolat à dessert. J'aime bien en avoir d'avance. Et pour terminer, j'ai repris également des cotons-tiges. Ce que je ne vous ai pas montré, j'ai pris du papier toilette, qui est très intéressant, un pack d'eau et un pack de lait. Et tantôt, je dois aller faire 2-3 petites courses à Leclerc, des choses que je n'ai pas trouvées là-bas. Donc, je reviendrai vers vous quand j'aurai été à Leclerc pour terminer ce retour de course. Donc, je vous dis à tout. Donc, me voilà quelques jours plus tard après ce retour de course. Je vais vous montrer, je crois que vous n'êtes pas très droit. C'est pas très grave. Je suis allée faire 1 ou 2 toutes petites courses à Leclerc et je suis allée au marché voir mon primeur. C'est le primeur, en fait, que je prenais quand il y avait le confinement. Il venait à la maison, je lui faisais une commande, il venait à la maison. Et comme il est sur le marché à la maison, j'y vais. Bref. Donc, au marché, j'ai pris un petit fromage de chèvre frais pour faire une salade de chèvre. Moi, j'adore ça. Je trouve ça trop, trop bon. Du coup, je crois que je vous ai déjà montré du pain, mais je vous remonte. J'ai repris une baguette chez Marie Blachère. Pour le faire, je suis sûre que j'ai vu ça en pub. Vous savez, ce sont des... Un film que vous posez, enfin, vous savez, un papier sulfurisé imbibé d'herbes, etc. pour mettre dans la poêle. Et je n'en trouve pas dans mon Leclerc. Il faudrait que j'aille voir ailleurs. N'est-ce pas ? J'ai pris ceci pour faire des escalopes grillées, mais avec un meilleur goût, pour pas que ce soit trop sec. J'ai pris ceci en papillote. J'ai pris préparation pour poulet. Donc, ça va être énorme, mais bon, c'est pas grave. Celui-ci, c'est ail et oignon. Et là, de la marque Magie, j'ai pris Herbe de Provence. Donc voilà, on va goûter ça. J'en ai déjà utilisé, mais il y a très très longtemps. C'est très rare que j'achète ce genre d'article chez Leclerc. J'ai repris du Saint-Mauré léger. C'est pareil, pourquoi je prends du léger, je vous en parlerai dans ma vidéo poids qui sortira, je crois, après ce retour de course. Donc voilà. Et j'ai pris en fromage un Saint-Albret, parce que nous, on aime beaucoup ça. Et j'ai pris des vinaigrettes, je pourrais les faire moi-même, mais c'est un truc que je n'aime pas fait maison. Je préfère les industriels. Donc j'ai acheté une vinaigrette de la marque Repère, vinaigre balsamique et huile d'olive vierge, comme ceci. Et j'ai pris celle-ci, on l'aime beaucoup, c'est la César. Donc voilà pour Leclerc. Pour le primeur, j'ai acheté une feuille de chêne rouge, elle a l'air d'être énorme, très belle. Et du coup, il m'en a donné une petite verte qui était un peu moins belle. Il m'a dit, je te la donne. C'est très commerçant. Ensuite, j'ai pris 1 kg de nectarine jaune. Le matin et maintenant le midi ou le soir, j'en mange une. Et sincèrement, elles sont très très bonnes. Et rééquilibrage alimentaire ou pas, c'est vrai que j'aime beaucoup beaucoup ça. J'ai repris un cucumber. Parce que nous, c'est la base, le concombre, on adore ça. J'ai repris des tomates grappes comme ceci. J'en ai pris 1 kg, 1 kg 2, il me semble. J'en avais presque plus de tomates. Et pour terminer, j'ai pris un truc qui coûte cher, mais c'est pas grave. J'ai pris 3 kiwis jaunes. Les gold, c'est 3 euros les 3, je trouve ça hyper cher. Mais j'arrive pas à en trouver franchement des moins chers. L'autre jour, j'ai réussi à en avoir 4 pour 3 euros. Mais c'est vrai que c'est très très cher ce genre d'article. Alors, attendez, je vais essayer de vous retrouver à peu près les prix. Les nectarines, c'était 4,95 le kilo. J'en ai pris 1 kg 2. Les tomates, c'était 3,95 le kilo. La salade, 1,50 et le concombre, 1,50. Le concombre, ça fait un peu cher, 1,50 euros. Mais... c'est pas grave, nous on adore ça. Ça va pas me faire la semaine, hein. Ça va me faire 3-4 jours. Mais je verrai en fin de semaine, j'irai peut-être à grand frais. Peut-être. J'irai peut-être vendredi à grand frais. Si j'y vais, je pense que je vous mettrai ça dans un vlog. Sauf si ça, c'est toujours pas monté. Mais je pense que retour de course sera monté. On ne sait jamais, peut-être je verrai ce que j'achète à grand frais. Soit je vous referai une vidéo retour de course spéciale grand frais, soit je vous mettrai ça dans le vlog. Bref, j'espère en tout cas que ce retour de course vous aura plu. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous tout le monde.